Anyway, c'est de ça qu'on va parler, de un paquet d'autres bagages qu'on a l'habitude de parler dans le show. On dit bonjour à Ram, Richard Moss. Bonjour, bonjour. Comment est-ce que Nous là, oui, n'a pas travail. On travaille. Oui. Je pense que l'on fait parler d'Haïti. Où tu es très sexy. Quand il y a Non, on vient de grossir. où tellement manger du riz. T'as chargé. Maman, j'ai dit rien porter encore. C'est du Haïti, amen. Du local. Les wagons flow. That's true. So, Richard, parlez-nous de début dans la musique. Comment ça t'est passé? Comment ça t'est... Bon, je commence à faire musique en Haïti. Je commence à faire musique l'homme des États-Unis. OK. Et puis, bon, j'ai toujours fondamentalement guitare, ben, même pas vraiment jouer. Okay. Et puis, j'ai des amis qui font mon jazz. L'un a gradué à l'université, et puis il a dit, au moins qu'on bassiste, est-ce que je vais jouer basse dans le jazz là? Et puis, il me dit, Mounio, oui. Depuis là, m'a fait musique. Donc ça, c'était 79, donc j'ai un dragon 40 ans, m'a fait musique. Oh, wow! 79! Oui. Bah, longtemps, n'est-ce pas? Oui. Vous commencez d'abord par manier basse là, et puis... Et puis, je fais un album avec guitare. Je joue guitare dans Quitter au Palais, qui c'est le troisième album. Ramenant. OK. Bon, je joue un guitariste, je joue un bassiste, bon, je joue une chanteuse. Et puis, vous quittez le marché. Et puis, vous quittez bien la marché. That's it. Oui. Où sont musiciens spéciaux? J'ai l'impression que. Ou pas jouer de musique, c'est musique qui vient de nous. Bon, c'est un héritage parce que ça me vient apprendre, c'est que à la fin, je viens à faire même musique que maman m'a fait. Je ne Yeah. vais pas faire le même genre avec lui. Mais lui-même, c'est dans le folklore. Yeah. Et puis, papa, lui-même, il était dans le folklore. Donc, à la fin, moi-même, je viens tomber dans le folklore. Je vais commencer dans le folklore, mais là, je viens en Haïti, je viens chercher Richo. Yeah. Justement, parce que vous pas de commencer dans. Folklore, là. Non. Vous commencez avec du rock and roll, right? Bon, une sorte de musique américaine, anglais, musique américaine, anglais, new wave, ou punk. Pas you pas name, ou pas really long ou non. Yo te connu le punk rock, yo te connu le new wave. Rock and roll, ligon l'autre ambiance là-dedans. Mais quand ça a commencé, mais nous t'es toujours composé musique, nous pas de jam, comme si. D'interpréter. Oh, nous pas jamais interpréter l'autre musique, l'autre jazz. Yo. Non. Nous faisons affaire pas nous et puis nous te conjoué dans le club. Yo. Oui, nous te conjoué dans le club New York en pile et puis mouvement ça vient tomber, club yo fermé. Donc nous commençons à jouer New Jersey, Asbury Park, Trenton, New Jersey. Nous jouons New Jersey en pile. Okay. Nous jouons Boston, Philadelphie. New Jersey a parlé à son côté qui pique gros passé à Haïti. C'est New Jersey seulement. New Jersey, oui. Bon, je fais un peu le temps New Jersey, donc c'est là que je fais musique. Et puis, bon, je mets deux yon dans le jazz. Où que sorti? Yo senti comme si je n'ai pas fait assez de compromis. Ben, oh, yeah. Et puis, mal New York, je fais un an, deux ans New York, un an New York. Et puis, Mounio voulait me New York, mais même senti comme si faut me faire musique. Okay. Donc, en français, tu dit, maman, c'est haïtien, elle fait bail en Haïti. Donc, je viens chercher Rit Vaudou en Haïti. So, pendant que tu es New York, tu as fait musique là, où tu as cherché tout? Tu as cherché un dame. Yes. Ou comment pour faire musique, pour composer. Yeah, musicalement parlant. Mais viens grand mouvement. World music. Nan komanseman ane 80 yo. E pi kote moun ap chèche bay ki soti an Afrik, joun tap di. Ap chèche bay an Afrik, ap chèche bay Amerik di Sud. E pi goun moun ki lè la pon ke maman mse Haitien. Bon, lè sa mbat nan bay Haiti di tout non. Mbat pale kriol, mbat pale anyen, mbat defon mwen nan peyi ya nan tout vim. Donk mbat vreman kon peyi ya. Donc, et l'on est venu faire un mois, c'est en vacances ou bien? Oui. Ok. Oui. Toute vie ou bien?
Oui, m'pas vraiment comprendre Haïti. M'con Haïti l'ai mal visité ma tante mais New York, ben ça yo. Mais yo toujours parle anglais avec nous. Yo, oh wow. Yo so comment c'est apprendre créole l'ont entré à Haïti là? Il l'ai monté en Haïti, moi mon pas parle anglais. Français à marron. Ben et puis tonton m'a dit gon institut haïtien américain à la bonne parle créole papa. Donc, je apprends à parler créole. Et puis, malgré ça, il prend quelques années. Ou apprends à parler créole sur le tas. Et ou pas parler dans l'école, parce que pas de l'école pour créole. Oui, tu gagnes. Tu gagnes? Non, haïtien-américain, sous Sean Mas. Ou ah bon? Oui, mal pour un cours pendant 2 mois. Ou pas si c'est anglais seulement que vous faites? Parce que je semblais que j'ai un blocage. Seul monde était content de parler créole. C'était moi, maman avec ma tante. Et puis, la conversation n'est pas vraiment intéressée. Donc, mais c'est le montré là en Haïti et puis me vin li prend temps pour me former jazz là mais là di moun yo que ou ap chèche rit vodou moun yo gado on jan moun yo ben yo pa comprendre et puis malgré l'aime fin rencontrer moun yo m'pat même konn sa vodou atayé donc m'bat ou gwan li prend temps. Et puis, c'est le mal dans l'hôtel Olofsson, nous commençons à faire chauffe au clor. Et puis, tu as une troupe qui est le Chango, je viens rencontrer madame, moi, c'est lui qui a dansé la donne. Et puis, nous marier, et puis nous commençons à continuer à faire chauffe au clor. C'est le même point que folklore avec Boudou, tu as une liaison. Je viens ajouter guitare avec basse dans folklore. Okay. Et puis nous venons former RAM. Nice. Et il faut me dire que nous n'avons pas quelques experts, pas quelques gros experts en bas live là, qui a posé des questions de temps en temps. Je vais poser des questions, je vais frapper. Nous avons un maestro Fabrice Cousier. Oh, Fabrice. Fabrice qui c'est cousin, oui. Je ne sais pas si il dit ça. Oui, cousin, oui. Fabrice Mando, qui influence Walk Richard? Qui influence Walk? Qui artiste qui puisse influencer? Est-ce que David Byrne a une influence pour vous? Oui. Mabdou, l'aime grandi, ben là, c'était AM radio, qui veut dire hits, yeah. Hit radio, top 40. Donc, moun qui te kon influence, l'aime grandi, Rolling Stones, The Beatles, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Sly and the Family Stone. Oh. James Brown, qui veut dire à l'époque, il n'y a pas de compte séparé musique, il y a juste joué tout le monde à la fois. Vin gon époque, dans les années 70, yo, vin comme si par vin remè musique populaire là tellement, Barry Manilow, une série de monde qui vin entrer dans la cause qui pas vraiment intéressé. Et puis, quand y a, dans fin 70, yo, vin gon bagre les punk rock. Et puis, Jean yo joue musique là, yo faut sentir que n'importe moun ka fèl. Ok. Vous comprenez? Donc, Talking Heads, Jean dit, David Byrne, t'es là dedans. Duran Duran, yo, they were slicker. They were, yo, t'es P-pop, que stand up fair. Yeah. Mais, oui, t'es gain David Byrne and the Talking Heads, t'es gain Kraftwerk. Bon, nous te qu'on jouait avec des jazz, Gang of Four, Bow Wow Wow, New Wave, Punk. Et puis, donc, c'est dans le domaine ça que nous te identifié nous. Et puis, quand y a Punk New Wave, Living fait deux chemins. Living fait un chemin qui a non alternative music. Mm-hmm. Et puis, ils font un chemin qui a le nom World Music. Okay. Donc, Jean dit, David Byrne, lui-même, là, le nom World Music. Différence, vraiment, moi-même, avec David Byrne, c'est que lui-même, lui choisit des côtés qui intéressaient, là, le Brésil, là, l'Amérique du Sud, là, le fait des bails comme ça. Côté, moi-même, mal dans le pays, maman. Donc, moi, qui c'est vraie différence, là, parce que l'aime vivre dans le pays, maman. Pour m'a faire musique dans le pays maman m'vin fait partie de société à dans sens ça côté vraiment pas levé en dans société haïtien n'a salué tout le monde qui en bas live là et tout le monde qui me répond Fabrice mais la tournée
the Ramones. Oui, et j'aime tout. C'est ça que tu gagnes dans punk rock, c'est que même si pas musicien, il faut sentir qu'on peut jouer debout, travailler debout ou faire bail là, parce que pas vraiment un musicien de entraînement, un petit bague de inspiration, même pas vraiment m'pas qu'on solfège, m'pas j'aime vraiment apprendre. Mais qui faut un pile habituellement, il va qu'on solfège tout. Bon, pas qu'on. Long live the king, n'a salué King Raph Douce qui en va live là, son plaisir et chaque fois que nous voir. Bonsoir. Yeah man, this guy is the master of Facebook. All right. Yes. King Raph Douce, bon bagay. And listen, ou so dit que ou so cité non des monde par exemple Aretha Franklin, ou cité non ça c'est monde qui que m'aimait. Oh, mais, Sly and the Family Stone, Rolling Stones, Beatles. Yeah. Mais ce n'est pas mon que m'ka charé parce que... Yeah, par exemple, on a un goût James Brown. Qui sont au point de lui? Bon, baka j'aime pas rien de James Brown parce que James Brown, c'est son bail à part. I swear, man. Mais ça, James Brown, gen, la kali, c'est que le type. Qui veut dire... Mais baka dit que m'prend rien de James Brown parce que... Li tellement gomba à part tant qu'on Aretha Franklin m'a pas prend rien de Aretha Franklin m'a pas fait rien dans ça l'affaire m'a quand juste apprécier donc le gagnant même Jean James Brown donc yo conseil de donc yo gagnant que m'apprécier musique yo Sly and the Family Stone Sam Dillon in Sly and the Family Stone c'était que yo te gon jazz qui gagne plusieurs races la donne. OK. Donc, tu as moun plusieurs couleurs là-dedans. Donc, je remets ça avec vous. Parce que moi-même, je suis sorti une famille qui a plusieurs races là-dedans. Donc, moi ça, moi-même, bah, ça. Ou pensez que vous avez vu. C'est soit tu toujours voulu, vu un artiste? En 65, je suis sorti moun. Et puis. Te gon jazz ki rele Rolling Stones et yo fon music I can't get no satisfaction. Et puis m kembe album nan menm et puis m'ap gade photo jazz la, m'te ti moun. Et puis m'ap tande music la et puis m'ap di bon ça m'te ka fè ça. Et puis m pa janm vraiment comprendre que faut aller apprendre faire musique pour faire bail ça li just semble on bail que ou la donne et puis c'est ça faire m pa janm konn si m tap chanteur si m tap guitariste si m tap keyboard qui ça m tap pied même te senti que m te ka nan bail ça et puis bon franchement les m'entrer la donne depuis là et li m'a fait c'est m'a dit que m pa faire l'autre bail mais c'est li que c'est lui qui mène en Haïti, c'est lui qui mène dans tout pays que je voyage, c'est lui qui bon madame moi, c'est lui qui bon petite moi, c'est lui qui bon tout ça me gagne, c'est dans suivre chemin musique là. Nice. Compatnek Madola Carl Léger Michel Odé de reside in Connecticut because he's pretty known there. Oui, c'est dans Connecticut de lever. De papa avec maman, j'étais professeur dans Yale University. Donc me lever dans Connecticut. Bon, à New Jersey. New Jersey la mal université. OK. Même lever Connecticut. Et franchement, les m'a grandi et maman qui c'est haïtien côté New York. Wow. Oui, pas de gain haïtien, pas de gain haïtien pas ton on bail de force de ceci cela kounya kout tout côté ou aller aux jeunes haïtiens au salut mounyo parler créole avec eux mais l'aime t'a grandi maman frère ma tante moi et cela ici que gain côté d'hier donc c'est pas même bail kounya. OK, m'a dit nous que c'est pas politique, ça c'est bon show politique, c'est un show culturel. Nous faisons du social là dedans mais nous pas faire show politique. Ça veut dire que question que n'a posé yo. Ou m'a posé son ouvle. Non. Parce que pas jeune moi. Donc c'est où m là dans mi quoi, m'a posé son ouvle. Non mais m'pas embarrasser au monde qui vient là caille, moi que m'inviter vite. Ça ne se fait pas.